J'avais déniché le château de Dampierre par hasard, et rien ne le différenciait d'autres châteaux Renaissance. J'ai découvert là un vieux traité d'alchimie gravé dans la pierre. J'ai été happé par l'étrange atmosphère de cette demeure et de ses jardins. En me promenant dans le labyrinthe végétal, j'ai eu l'impression de commencer une recherche. L'alchimie fut à l'origine de la chimie, presque par la bande. Sa quête de la pierre philosophale est d'abord un parcours long et solitaire. Une succession d'étapes que l'on franchit par la persévérance. C'est aussi le dévoilement de réalités cachées sous les apparences. J'ai été fascinée comme par un roman d'aventure. Aujourd'hui, il m'arrive de le feuilleter, de me replonger dans cette ambiance si particulière et d'avancer dans ma quête. La galerie et tous ses symboles ésotériques ont excité mon imagination. Mais qui a édifié ce petit bijou d'architecture? Qui aurait pu être assez initié pour l'avoir commandité? Et qui sont ces gens discrets auxquels s'adresse ce savoir ?